Allez, tu cherches lui, on va aller pour toi. Des angulations avant, arrière, tout à fait correct. Les aplombs à l'avant en statique et en mouvement sont corrects. À l'arrière, il est un peu pincé en statique, mais il redresse en mouvement. Et alors, le mouvement est. Excusez-moi, il est waouh! C'est très démonstratif, c'est déchiré, c'est tout à fait extraordinaire. Malgré son grand âge, si j'ose dire, parce qu'il a quand même 6 ans. C'est un chien absolument fantastique. Donc, premier excellent. Merci pour tout d'être venu. Deuxième place, un chien aussi très éblouissant par sa structure et son mouvement. Un chien grand, puissant, substantiel, bien pigmenté, bien proportionné en ski. Avec une tête de mâle sans aucun doute. Une très bonne ligne supérieure, une très bonne ligne inférieure. Des angulations tant avant qu'arrière qui sont tout à fait correctes. Rien à dire sur le chien, si ce n'est que son mouvement est exceptionnel et qu'il doit encore vieillir, attendre que Porto soit parti pour prendre la première place sans problème. Deuxième excellent, merci. C'est un honneur, c'est un honneur. Allez ! En troisième place, le numéro 77, un chien super bien pigmenté, avec une bonne empreinte mâle, une bonne ligne supérieure, une bonne ligne inférieure, de bonnes régulations à l'avant, à l'arrière. Un peu plus juvénile, je dirais, au niveau du corps, donc il doit encore un peu vieillir de ce côté-là. Sinon, il a un mouvement aussi tout à fait exceptionnel, que ce soit en laisse ou sans laisse. Il est ferme dans toutes ses parties, très démonstratif, excellent sans aucun souci. Troisième excellent, merci. Alors, Torox. Torox, il pêche un peu par son côté juvénile au niveau du corps. Quand on regarde le corps des trois premiers et le corps des deux suivants, il y a une différence en termes de corpulence, je dirais, donc il doit encore mûrir au niveau de la structure. Il a une super tête, de très bonnes proportions, un haut garrot, un dos droit, la croupe est un peu plus grande, les angulations arrière un peu appuyées, le bras peut être un peu plus long, le mouvement est très bon, il est très ferme dans toutes ses parties, très régulier, mais il faut laisser vieillir encore pour mûrir au niveau du corps. Excellent, sans aucun problème aujourd'hui, merci. Alors, même genre de remarque pour le chien qui est la place suivante en excellent. C'est un chien qui a un corps un peu juvénile pour une travail mâle. Bonne tête, bonne proportion, bonne ligne supérieure, de bonnes angulations. À l'arrière, à l'avant, le bras pourrait être plus long. La poussée arrière est très bonne, se transmet par un dos ferme à un avant qui est un peu limité, donc apprendre à s'exprimer. Donc, je dirais entraînement, entraînement et encore entraînement et excellent, merci beaucoup. Champion! 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 Champ